Alors, ce que j'adore, c'est avant de décoller, Jonathan et nos pilotes nous laissent un petit peu ce rêve d'enfant d'être ici aux commandes virtuellement, et que ce soit, j'en sais rien, des avions de bombardier ou des Falcons, etc. C'est vrai que c'est des rêves d'enfant. Mais je crois que je ne fais pas cette vidéo ici pour dire que je sais piloter ça, pas du tout. Je suis plutôt passager. Mais surtout pour vous dire que n'ayez pas peur de rêver grand, de rêver en couleur, épais, fleuri. Parce que souvent, tout ce que vous aurez dans la vraie vie aura commencé à germer ici et là. Et vous allez être entouré en permanence d'hommes et de femmes qui vont vous dissuader, vous rabaisser, vous juger, vous repousser et vous dire au final qu'il faut cesser de rêver en couleur. Et non. Et c'est exactement la philosophie que l'on apprend, rêver à 110%, voir à 110%, avoir des projets et agir à 110%. Parce que ce soit le fait de se dire, tiens, aujourd'hui peut-être que j'ai une petite entreprise où je vais me lancer, ou alors j'ai un projet de perdre du poids, de fonder ma famille, d'avoir une entreprise prospère avec des employés, ben peut-être qu'un jour tu pourras aussi voyager en jet privé, peut-être que tu pourras voyager dans le monde entier, peut-être que tu pourras avoir plus de temps pour toi, pour ta famille, pour tes enfants, pour la santé. Et je crois que c'est ça qui est important. Et d'ailleurs, Saint-Exupéry était à l'origine de cela, voir grand, rêver, ne jamais cesser. Parce que pour un être humain, ce ne sera jamais normal de voler. Et pourtant, on le fait aujourd'hui. Il y a de nombreuses années de ça, personne n'aurait imaginé qu'on serait dans un avion en train de voler. C'est pas possible. Et tout commence vraiment par un rêve. Tout commence par cet état d'esprit de voir grand et de ne plus voir petit. Que tu vois grand ou petit, au final, ça sera la même énergie. Et les gens me disent, mais je rêve petit, Franck, parce que j'ai peur d'être déçu si je n'atteins pas. Mais qui a envie de se lever le matin pour vivre une petite vie, une petite journée, dans un petit travail, un petit trajet, une petite communication, un petit couple, une petite sexualité, un petit salaire, une petite maison, un petit... What? Mais personne n'a envie de ça. On a besoin de faire la différence et on sait qu'on peut faire la différence. On l'a dans le cœur quand on est tout petit. Mais les claques, les gifles, les déceptions, les rejets des autres, les mots vilains des autres, nous amènent à laisser tomber. On abandonne tout simplement, on laisse tomber. Et si on parvient à garder ce feu sacré en soi, ce rêve dans notre tête et dans notre cœur, si on n'arrive à pas être désabusé, lassé, blasé par la vie et par les autres qui nous enfoncent la tête en permanence, eh bien on arrive à se dire, tiens, finalement, moi je continue d'y croire. Personne ne peut ressentir ce que j'ai dans le ventre, la vision, mais j'aurai cette entreprise avec une cinquantaine d'employés, 3 employés, 100 employés, 200 employés. J'aurai un marché près de chez moi, dans le monde entier, où je piloterai ça. Ah oui, ça c'est un projet pour moi, je préfère vous le dire. Et puis j'y crois, même si personne ne voit ce que j'ai dans la tête, moi j'y crois. Alors pensez à cela. Et puis, gardez cet esprit à 110%. Ne lâchez jamais, n'abandonnez jamais. Ce qui est important pour vous, vous abandonnez pas. On n'a pas intérêt de rester esselé. On n'a pas intérêt de choisir la solitude cette année. On a intérêt d'être tous ensemble. Combattre nos idées noires, nos croyances limitantes, nos freins, nos peurs, aller plus loin, se dépasser. Si vous voulez plus cette année, si vous voulez devenir plus cette année, venez nous rejoindre dès maintenant. Allez sur devenezplus.com, devenezplus.com. On commence dès maintenant, devenezplus.com. C'est le temps fort du moment.